Cette saison, c'est la débrouille, on vit pas au jour le jour, mais on organise des choses de façon à pouvoir tenir cette saison et partir sur des bases plus solides la saison prochaine, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la saison passée a été économiquement difficile, donc il va falloir un peu de temps pour se remettre de tout ça. On travaille pas mal. C'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis entre changement de coach, etc. On était chamboulés. On a eu une préparation compliquée, mais là, on commence à comprendre ce que Marina attend de nous. Donc ça se met en place et je suis assez positive, mais vraiment très confiante pour l'avenir. Marina, on se connaissait pas beaucoup, elle est là depuis peu de temps, et puis très rapidement, il y a une bonne entente qui s'est créée entre nous, entre l'équipe dirigeante et Marina. Elle drive de façon vraiment intéressante et pertinente l'équipe, puisque elle arrive à imposer sa rigueur de son côté. Je suis venue dans une situation qui m'est complètement nouvelle. Donc, avec les clubs en Serbie et avec bien sûr l'équipe nationale, c'est toujours moi qui ai sélectionné un groupe. Donc, je faisais quelque chose pour la première fois. Je me suis retrouvée avec un groupe que j'ai pas choisi. Donc, heureusement que quand je suis venue sur Lyon, j'ai retrouvé un groupe qui a très envie de travailler, qui a compris mon grande intention de vouloir toujours gagner. Et c'était vraiment dur pour moi de perdre match amicaux, c'est pas passé pour beaucoup de temps. J'aurais pas travaillé avec si elles avaient pas compris tout de suite ce que je demande. Heureusement, elles l'ont fait, elles travaillent et on voit les résultats. J'ai parlé honnêtement aux filles aussi. Soit on va s'asseoir et pleurer sur nos destins, soit on va faire quelque chose et gagner. Je suis très confiant en Lyon Basket Féminin, en son avenir, à sa situation géographique. En étant à Lyon, on a de grosses énergies, on a du sport de haut niveau, il y a une vraie dynamique et on a organisé les choses de façon à ce que sur du long terme, on puisse être très ambitieux. Les dirigeants ont une grande énergie. Grande énergie, ce n'est pas des personnes qui sont loin quelque part et qui font rien. Non, ils se donnent vraiment beaucoup. Pour le basket féminin, ce qui est quelque chose que moi je respecte beaucoup. Je vois pas possible que la solution ne va pas aller dans le positif. Vraiment, je vois pas. Clairement, les objectifs, c'est le top 4. Ouais. C'est chercher une Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Donc, voilà, les objectifs du club. Faire la meilleure saison possible, voilà.